D'après l'Organisation mondiale de la santé, la pollution atmosphérique est un risque majeur pour la santé humaine. En effet, elle serait responsable de 8 millions de décès prématurés chaque année. Des images de pollution, on en voit tous les ans. Le mois dernier, la ville de New York s'est par exemple retrouvée sous un épais nuage jaune-orange. Un mélange de couleurs très esthétique, mais surtout signe d'une mauvaise qualité de l'air. Tout ce qui se mesure s'améliore, et comme la qualité de l'air laisse à désirer dans de nombreuses régions du globe, il est vital de mesurer l'ampleur de cette pollution afin de pouvoir agir en conséquence. Bon, la pollution de l'air, c'est surtout deux variables, la qualité de l'air extérieur et la qualité de l'air intérieur. Paradoxalement, c'est cette dernière qui est la plus importante en termes de santé, puisqu'on passe en effet 80% de notre temps à l'intérieur. Une bonne qualité, c'est donc un air sain à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a aujourd'hui les moyens de quantifier et d'agir sur les polluants de l'air. On va découvrir comment ça marche. Alors qu'on fait face à un pic de pollution, comment est-ce qu'il faut réagir ? Alors, il faut d'une part chercher à se protéger, ça veut dire éventuellement s'éloigner des sources de pollution. Si c'est le trafic routier qui pollue beaucoup ce jour-là, il ne faut pas passer à côté des axes de circulation importants. Et puis, il faut également éviter de faire beaucoup de sport, parce que quand vous faites du sport, vous respirez de manière beaucoup plus importante et donc vous aspirez davantage de polluants. Et puis après, il y a aussi un côté un peu citoyen. Il faut éviter de faire des activités qui vont polluer encore davantage, bien évidemment. Tous les polluants sont sous contrôle ou il y en a encore qui passent entre les mailles du filet ? Alors, il faut distinguer la mesure d'un côté, avec les capteurs, et le système qui traite. Le système qui traite, il est bien fait, c'est-à-dire qu'il y a les filtres qui arrêtent toutes les particules, même les pollens si vous êtes allergique, et le charbon actif qui vont piéger les molécules. Donc l'air qui va rentrer dans la pièce va être de bonne qualité. Le capteur, par contre, va mesurer que certains paramètres. Donc il peut arriver qu'il ne voit pas des choses, mais comme l'air a été bien nettoyé, on n'a pas de problème. D'accord, parce qu'en général, les capteurs qu'on retrouve dans des bâtiments comme ça, ils mesurent quoi ? Alors, ils vont mesurer des paramètres qu'on appelle de confort, la température, l'humidité, et en termes de pollution, souvent, il y a trois paramètres. Le CO2 qui permet de savoir si l'air est bien renouvelé ou si c'est confiné et on a un peu tendance à s'endormir. Les particules qui sont le polluant le plus dangereux qu'il faut arriver à supprimer et ce qu'on appelle les composés organiques volatiles qui sont en gros des molécules qui ne sont pas bonnes pour la santé. Le CO2, ça permet en fait d'estimer la qualité de l'air dans la pièce, mais ça ne dit pas vraiment la réalité des polluants. Voilà, le capteur, il fait que le CO2, on peut savoir s'il faut renouveler l'air pour s'assurer que ce soit de bonne qualité. Mais si vous renouvelez l'air par exemple en ouvrant la fenêtre, vous pouvez faire rentrer des particules ou d'autres choses. Donc c'est intéressant de mesurer aussi les particules et les composés organiques volatiles. Ok, je comprends. On ne considère pas le CO2 comme un polluant ? Non, le CO2 dans les concentrations auxquelles on est exposé, ce n'est pas dangereux pour la santé. Les concentrations, on les mesure en ppm, en parties par million. Donc on a un seuil à 1000. Et quand on est au-dessus de 1000, c'est là qu'on commence à être un petit peu plus fatigué, un petit peu plus somnolent. On a tous connu ça dans les salles de classe quand on était jeune. Et donc aujourd'hui, l'enjeu, c'est de rester sous ce seuil de 1000. C'est intéressant pour les capacités d'apprentissage. C'était aussi intéressant quand on a des problèmes de grippe, de Covid ou autre, puisque ça permet d'éviter qu'un microbe ou qu'un virus ne reste dans l'air. Oui, bah, je me rappelle pendant le Covid, on avait les capteurs de CO2 qui nous donnaient une idée à peu près de quand est-ce qu'il fallait ouvrir la fenêtre, mais ça ne mesure pas le Covid, ça permet d'estimer... Le renouvellement d'air de la pièce, exactement. Ok, je comprends. Comment est-ce qu'on définit les seuils de pollution ? Alors, les spécialistes de la santé vont comparer les niveaux de pollution avec un impact. Et à partir de là, ils vont décider à quel niveau il y a un risque ou il n'y a pas de risque. Et donc, la principale, c'est l'Organisation mondiale de la santé qui va fixer des seuils. Alors, il y a les seuils limites, les seuils d'alerte, entre guillemets, ce qu'il ne faut surtout pas dépasser. Et en général, il y a un seuil recommandé. Il faut chercher à plutôt être en dessous de ce seuil-là également. Est-ce que ces seuils sont fixés par rapport à ce qui est dangereux pour nous ou par rapport à ce qui est habituel, ce qu'on devrait retrouver normalement ? Alors non, les seuils vraiment qui sont définis par l'OMS, hein, l'Organisation mondiale de la santé, c'est pour la protection de la santé des gens. Donc l'objectif, quand les seuils sont fixés, c'est que si on est au-dessus, il y a un impact. Si on est en dessous, ça va bien. Ok, donc si j'ai bien compris, le système upgrade, il repose, la première brique, c'est ce genre de capteur. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment ça fonctionne ? Oui, donc ici, vous avez un capteur qui va permettre de mesurer différents paramètres. Donc l'air va être aspiré dans l'appareil. Dedans, on a différents sensors qui vont mesurer un certain nombre de choses. On a par exemple un thermomètre basique qui mesure la température. Ensuite, on va mesurer le CO2, qui va nous permettre de savoir si c'est confiné, si l'air est renouvelé. Les particules fines, qui sont le polluant le plus dangereux pour la santé. Et ensuite, les composés organiques volatiles. En gros, c'est les molécules qui sont émises, comme l'odeur de colle qu'on peut avoir sur un meuble neuf. Et l'ensemble de ces données qui sont collectées par l'appareil vont être ensuite transmises jusqu'au upgrade, où on va pouvoir récolter en temps réel l'information et piloter les installations. Sachant que ce capteur a aussi une particularité, c'est qu'il a un écran tactile, puisqu'en fait, il est utilisé, celui-là, c'est un modèle pour faire de la pédagogie et montrer en temps réel aux gens si l'air est de bonne qualité ou pas. En ce moment, ça va. Ça va, bon, super.
Donc il y a vraiment un enjeu de communication avec les utilisateurs du bâtiment. Alors, on a cet enjeu de communication au début quand on fait de la pédagogie, donc c'est pour ça qu'on utilise ce type de capteur. Ensuite, dans une salle de classe en opérationnel, on va mettre des systèmes qui n'ont pas d'écran. L'idée, c'est pas que ce soit anxiogène et que ce soit complètement automatique. Et en fait, c'est piloté grâce au upgrade et le professeur, les élèves n'ont rien à faire pour avoir un air de qualité. Il y a quelques secondes, on a donc simulé de la fumée de cigarette. Le capteur, regardez, a réagi immédiatement et on voit que les niveaux de particules sont montés très rapidement. Et on atteint des seuils qui sont anormaux puisque cette fumée va être détectée et le capteur voit les particules qui sont dans l'air. Des capteurs comme celui-ci permettent de rendre visible l'invisible. Une fois que c'est fait, on n'a plus qu'à régler le problème et pour ça aussi, on a des solutions. Je te laisse aller découvrir tout ça dans notre épisode d'En Route. Venez découvrir avec nous la transformation écologique, vous avez juste à vous abonner. À très bientôt sur Verso.